Nous sommes le samedi 5 août 2017. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal. Le festival de gelée 2017 sera célébré du 12 au 19 août. L'annonce a été faite officiellement par le maire principal de la commune de Caille, Jean-Gabriel Fortuné. L'ATI national du secteur vaudou, Coma Joseph, dit voir en notre président haïtien un homme sincère. Le numéro 1 des vaudouisants applaudit l'initiative de la caravane de changement lancée par le président Jovenel Moïse. La base grand citoyen de Jovenel Moïse, dans une conférence tenue ce mardi, a exprimé ses contentements pour les efforts consentis par le président selon cette base. Clôture ce vendredi d'une séance de formation en faveur des professeurs de la commune de Quimperin, une initiative de la Fondation Digicel. La coordination départementale de la plateforme Réponse Paysan a réalisé une journée de formation en faveur de 69 coordonnateurs CASEC des sections communales du département du Sud. Le maire de la commune de Pointe-à-Pitre, Daniel Jasmey, dans une conférence de presse réalisée ce mardi, dénonce les députés Clovis Baye et Daniel Letang qui se sont rendus au commissariat de Pointe-à-Pitre pour exercer des pressions sur les juges et policiers pour réclamer l'annulation des mandats décernés contre des individus impliqués dans des actes de vandalisme, une information rejetée de revers de main par l'ex-maire de la commune de Pointe-à-Pitre, Franz Marais. Ce jeudi, les habitants de la route de l'aéroport à Pointe-Simon ont organisé un sit-in pour demander aux autorités concernées de les dédommager parce qu'ils ont été victimes de l'expropriation en ce qui concerne la construction de l'aéroport à Pointe-Simon. Le Rougan Nera Ilderis a été installé comme le retardé du département du Sud par l'être suprême du Vaudou, Coma Joseph. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs, restez branchés. Merci de votre fidélité, bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Whitland Rosimé au micro et à la rédaction. Le festival de gelée 2017 sera célébré du 12 au 19 août. L'annonce a été faite officiellement par le maire principal de la commune des Cailles, Gabriel Fortuné. Le premier citoyen caillien a fait remarquer que ce sera un festival purement musical, compte tenu du faible moyen du gouvernement. Suivez les déclarations du maire de la commune des Cailles, Jean-Gabriel Fortuné. Tout auditeur, capitaine de nous la Kounia, et en tant que président du conseil là, nous avons mes yeux pour annoncer mon nom. Et que le festival gelé, qui est habitué à fête chaque année, dans le cadre de fête Notre-Dame, année ça, nous comptons organiser le festival là. Mais c'est un festival musical qu'on a organisé année ça gelé, compte tenu du problème financier que le gouvernement a gagné et compte tenu du problème financier que la mairie au Kaila a gagné. Mais comme l'année dernière, nous avons déjà annoncé que quand même cette année, il faut que nous ayons un festival gelé. Je dis que c'est officiel que le festival musical n'a fait le gelé du 12 au 19 août. N'a commencé samedi 12 de la soirée et n'a fini samedi 19 encore de la soirée. Et nous avons signé des contrats avec différents groupes musicaux, et groupes musicaux à Port-au-Prince et des groupes musicaux qui est dans le département, qui est dans la ville d'Okaye, qui peut performer dans le cadre du festival musical ça, qui a gagné du 12 au 19. Déjà, on a demandé un pile de monde qui est sous plage là, qui n'a pas rempli les conditions pour être sous plage là. Parce qu'il y a un comité qui déjà a travaillé pour chaque monde placé sous plage là. Il y a un aménagement qui fait sous plage là, qui demande tout le monde pour respecter.
Et déjà, nous travaillons avec la police sur la sécurité, nous travaillons avec EDEA sur ce éclairage-là, pour que le festival musical ça, qui prend le fait du 12 au 19, que tout le bagage est capable de bien passer. Donc, tu as un suspense, est-ce que le festival Julé a fait? Oui, le festival l'a fait, mais pas dans la dimension que nous devons, compte tenu des problèmes financiers que nous avons, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau de la mairie des Cayes. L'acte national du secteur vaudou, comme Joseph d'Ivoire, un autre président haïtien, un homme sincère, le numéro un des vaudouisants, applaudit l'initiative de la caravane de changement entreprise par le président Jovenel Moïse. Toutefois, l'acte se demande si les conseillers de Jovenel Moïse sont vraiment à la hauteur de leur tâche. Suivez ces explications au micro de notre collaborateur Amos Sena. C'est un personnage que moi trouvé dans l'entretien avec lui, qui gagne une sincérité dans la parole. Et je me questionnais, je me pensais et je voulais croire que c'est un homme de parole. Parce que ça que je regardé, toute campagne, il était promettre travail. Et que je remarquais que c'est ça qu'il voulait faire. Mais vu que je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas en dedans caravane, je regardé caravane en dehors. Et je suis content que il prend décision ça et que l'a fait travailler. Mais seul ça que moi-même moi t'ai aimé dit, c'est parce que moi ouais que pas quoi que les gagnants conseiller adéquat dans l'environnement qui fait le comprendre que pour faire le comprendre que travail ça qu'a fait là, il pas travaille un seul secteur dans le pays hein, c'est travail tout secteur lié dans le pays hein. Et que il pas supposé écarter de aucun secteur parce que nous faisons un jeu démocratique. Nous croyons que tout le monde vote contre, tout le monde vote pour nous élu au président. La base grand citoyen de Jovenel Moïse, dans une conférence de presse tenue ce mardi, a exprimé ses contentements pour les efforts consentis, selon cette base, par le président Jovenel Moïse, pour améliorer la situation de la population. Suivez. Nous voyons un gros coup de chapeau pour le président PIA, Excellence Monsieur Jovenel Moïse, ensemble avec la première dame, Martine Moïse, qui est une coquine chienne femme qui a supporté Maril dans toute décision importante la prendre pour le PIA. Nous profitons de dire à la présidente nation, bas citoyen Jovenel Moïse, a couru pouvoir exécutif là 100% dans toute belle décision la prend dans l'intérêt des haïtien. N'a demandé à tout partisan démocratie, à tout monde qui croit dans le changement, tout bon vrai, pour courir caravane changement, qu'a porter la vie meilleure pour tout haïtien, pour qu'a freiner grand goût, la vie chère, blackout, freiner niveau gagote dans l'État, pour qu'a mettre pays à sous bon genre de développement. N'a dit, pas faire bac président, sous question la mer. Parce que le pays a besoin de sécurité. Sous président Matéli, toute couche dans la vie nationale là a préparé un livre blanc. Et président Matéli a présenté le livre ça devant l'ONU. Journée aujourd'hui, président Jovenel prend décision tout bon vrai pour lui mettre la main à camper côté en pile jeune garçon, jeune fille, pour le sortir dans le chômage. Bas grand citoyen Jovenel Moïse saisit, ouais. Agrément tout plimage a monté descendre dans la presse pour faire campagne contre remobilisation la mer. N'a réaffirmé base grand citoyen Jovenel Moïse avec et n'a campé derrière comme bois mitan pour courir caravane changement. Pour toute promesse ou yo ka retourner réalité. N'a dit ou continuer travail là, n'a ciré tout mauvais jeu. Agrément tout sans maman qui comprennent, yo ka vin te lumière démocratie. Fois ça, nous dit. Ça va passer. Le président Jovenel, intégration toute base, et spécialement, base grand citoyen Jovenel Moïse, qui te goumen ak zon yo, avec des meilleurs pour accoucher petite césarienne ça. Bataille la pat piti, nap di yo, ak toute victime, nous yo, pendant 22 mois campagne électorale là. Fois ça, courage au pas passé. Bas grand citoyen, Jovenel Moïse dit au président, pas oublier. Ça
Si moun grand nous pas accepter fois ça pour bourri travail pour ces choix qu'a galonné. Pour fini. N'a demandé président Jovenel veillez toute mauvaise anguille qui bon koto yo parce que premier quand c'est assez eux même. Vive Haïti, vive président Jovenel, vive grand citoyen Jovenel Moïse à tout allié yo. Clôture ce vendredi d'une séance de formation en faveur des professeurs de la commune de Quimperin, une initiative de la Fondation Digicel. Sonienne Bertrand, la responsable de la relation publique de cette fondation, a laissé entendre que l'objectif de cette formation, c'est de renforcer les techniques d'apprentissage des enseignants. Suivez ces explications au micro de notre collaborateur, Hans Jean-Louis. On va comment expliquer nous qui ça nous fait là, comme t'as expliqué nous d'abord qui ça pour fondation. Donc Fondation Digicel nous créons en 2007, année ça fait nous 10 ans. Et depuis là nous avons fait création nous, l'objectif principal nous c'est créer l'école en Haïti parce que nous réalisons que grand pile côté que pas l'école. Alors nous pas créer l'entièrement, nous plutôt reconstruire l'école qui existait déjà parce que nous devons accompagner la communauté. Donc nous avons reconstruit 173 et l'école sur le territoire national là, en passant de Anse-Deno, Rivière jusqu'à Île de la Tortue. Et nous avons deux autres constructions qui sont en cours qui nous créent. Ensuite, nous avons décidé que nous réalisons que dans toute l'école, ça a eu des faiblesses au niveau des professeurs. Parce que quand il y a des gens qui partent de faire l'école normale, c'est peut-être dans le fil qui est campé ou bien dans le retour. Ou il y a des gens qui font l'école normale mais qui ont besoin de plus de techniques d'apprentissage. Donc, nous avons décidé de mettre pour la formation sur pied en partenariat avec l'université à Montréal. Ils ont aidé, nous ont formé environ 20 formateurs pour nous. Pendant environ 3 ans et puis qu'on y a un formateur ça y est bien à délivrer même formation ça y est par professeur. Donc comment que l'y fait en 3 phases. Première phase là nous invitons tous les professeurs venir campérer pendant environ 3 semaines sur première phase. La première phase là nous faisons surtout sur les matières de base comme mathématiques, français, grammaire. Ensuite formateur ça nous allons affecter un formateur pour l'école qui a les souterrains pendant environ 18 mois pour les continuer pour la formation ensemble avec le professeur et évaluer tout pour est-ce que un changement ou une progression. Ensuite, tous les professeurs qui passent et évaluation pour la première phase, ils ont invité à tourner en formation pour 2 semaines de formation intensive sur ces expérimentales avec ces sociales. L'un des enseignants bénéficiaires de cette séance de formation félicite la Fondation Digicel pour cette initiative. Il souhaite que ces genres d'activités soient étendues sur tout le territoire national. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur, Hans Jean-Louis. Nous avons gardé un pile bagaille que nous jouons nous-mêmes dans la formation. Et c'est un bagaille nous-mêmes nous avons mis sur tout territoire net. Parce que nous, au niveau de formation, nous jouons ça que nous savons faire. C'est-à-dire, nous avons eu des formateurs excellents qui nous ont appris. Alors, on avait l'habitude de travailler en salle de classe, de donner quelque chose à nos élèves, à nos enfants. Mais maintenant, avec cette formation-là, on a appris beaucoup de choses, on va mieux apprendre avec nos enfants. Et on remercie beaucoup la Digicel pour cette initiative. La formation a été faite sur tout ça. C'était surtout sur les mathématiques et le français. Et là, Denis nous a joué dans pile bagaille côté qui nous a appris la meilleure façon de nous capables d'enseigner. Alors, les différents thèmes en mathématiques, qui c'est numération, opération, problème et la géométrie. Et dans le français, nous connaissons, c'est lecture, c'est orthographe. Et avec formation, ça nous apprend meilleures méthodes. Il y a quelques meilleures méthodes que nous sommes capables d'utiliser Kounia pour nous enseigner matière ça avec apprenant nous. La coordination départementale de la plateforme Réponse Paysan a réalisé une journée de formation en faveur 69 coordonnateurs CASEC des sections communales du département du Sud. Lutnière Bernard, le coordonnateur de cette structure politique, souligne que cette formation a été axée sur la politique économique, la collectivité territoriale, le leadership. Suivez sa déclaration au micro des journalistes. L'objectif, nous, je vous dis, c'est après l'Assemblée départementale, plateforme politique réponse paysan. Direction départementale a décidé pour faire une journée de formation pour membres et coordination communale plateforme politique de réponse paysan à travers 19 communes du département
et plus et 69 Kazek, coordonnateurs Kazek, et à travers diverses sections qui là avec nos matières. Objectif là, c'est dans ce sens ça que nous réunissons dans Tobek pour nous capables de faire formation ça qui gagne pour nous travailler sur la collectivité et territoriale, pour nous travailler la politique et puis nous travailler tout politique, économie et leadership et résolution de conflits. Autre information, le maire de la commune de Port-Rapidement, Daniel Jasmey, dans une conférence de presse réalisée ce mardi, dénonce les députés Clovis Robat et Daniel Létang qui se sont rendus au commissariat de Port-Rapidement pour exercer des pressions sur des policiers pour réclamer l'annulation des mandats décernés contre des individus impliqués dans des actes de vandalisme. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur Amos Sena. De la justice qui a identifié partisan zéré député Daniel Létang après une fin boulée un gros dépôt acté d'un ONG qui est venu de peuple Port-Rapidement n'a construit 300 cailles par les gens qui ont dormi en bas de Belle Étoile. Jour qui était samedi 28 juillet, côté vendredi 28 juillet, côté président justice et vice-président justice, là, dans la chambre des députés, qui c'est député Clovis Robat et député Daniel Létang, qui est débarqué dans Port-Rapidement en Champouël. Dans le commissariat, ils ont fait gros pression sur la police et le juge de paix pour entrer dans le mandat. Et dans demain samedi, le commissaire gouvernement dans la juridiction Koto, qui est le commissaire Zami, lui écrit le commissariat Port-Rapidement, lui demande pour bloquer le mandat. Et bien, je dis, nous venons demander concours. Opinion publique là, la presse, CSPJ, ministre justice là, commission politique, l'ambassade américaine, l'ambassade canadienne, l'ambassade française, Human Rights, pour intervenir rapide dans le dossier Port-Rapidement. Une information rejetée d'un revers de main par l'ex-maire de la commune de Port-Rapidement. Franz Maret déclare que les députés Clovis Robat et Daniel Létang n'ont rien à voir dans cette affaire. La justice a fait son travail. Suivez la déclaration de Franz Maret au micro de notre collaborateur Amos Sena. Juste pour auto-rectification, bien démenti sa magistrat déclaré dans le micro la presse que c'est député Robat et député Daniel qui a même condamné la justice face à un mandat et qui était lancé derrière quelques petits messieurs dans la zone Port-Rapidement. Et moi, je voulais faire sentir que ce n'est pas les gens qui viennent défendre les petits messieurs, mais c'est ça la loi dit. Si vous avez passé, vous n'avez pas de petits messieurs, vous n'avez pas de raison juste pour vous lancer le mandat derrière les petits messieurs. Mais la justice prend une disposition, vous réalisez. Ce n'est pas possible pour les petits messieurs dans Maron. La justice fait travail, c'est pas une question de député Robat et député Daniel. C'est la raison ça qui fait journée aujourd'hui, moi viens dans la presse et pour me venir démentir sa magistrat dit sur la commune de Port-Rapidement spécialement sur député Robat et député Daniel et contre la justice dans la circonscription des Côtois. Égal là pour ton démenti formel à sa magistrat. Oui, c'est un démenti formel parce que et nous un mandat ça a été lancé à nous pas connait qui menti magistrat té albay dans la justice qui permet que et la justice té lancé mandat yo derrière messieurs, et bien moi-même c'est un monde tout qui t'ai essayé parler pour me faire connaître et magistrat qu'on a qui laisse monde niquer problème, li connait qui laisse monde qui t'ai craser machine qui permet lui-même d'être dans la justice ça, pas gain raison pour te faire lancer tout mandat ça des messieurs. Mais pas besoin condamner ni député Robat ni député Daniel ni la justice à savoir commissaire gouvernement dans circonscription Koto, commissaire Zami, il pas besoin diaboliser personne. Ce jeudi, les habitants de la route de l'aéroport Antoine Simon ont organisé un sitting pour demander aux autorités concernées de les dédommager parce qu'ils ont été victimes de l'expropriation en ce qui concerne la construction de l'aéroport Antoine Simon. Suivez leurs explications. Environ 5 ans depuis qu'on a commencé, et on est parti en 4 blocs. Un bloc A, bloc B,
bloc B, bloc C. Donc, deux blocs déjà. Donc, bloc A avec bloc B. D. Bloc B avec bloc C, par contre, touché. Yo, quand papier nous, yo dit, que ça va être nous encore depuis 5 ans, c'était l'État. Nous pas en rien qu'à faire avec elle, nous pas qu'à travailler. Et nous connaissons depuis sous des salines, nous dit, Théa, c'est richesse nous, c'est là dans notre travail, nous faire l'école nous. Grand pile monde ça ouais là, c'est là dans le travail pour voir petit sur l'école. Mais qu'on y a pas qu'à travailler parce que c'est l'État. Parfois travailler ils sont l'autre monde qui a récolté tel ça. Amen. L'État a toujours appuyé nous même qu'on y a là nous prend décision. Nous dit chez grand groupe à jouer, il y a péril dans la demeure, faut que nous toucher. Nous mettez quoi nous dehors aujourd'hui, nous disons que l'État a payé nous. Si on va le payer nous, c'est pour nous remettre nos papiers tels nous pour nous connaître que ça va être l'État pour nous rentrer et arrêter de sortir. Mais si on va le payer nous, nous allons passer en action, nous faire conférence de presse, nous allons aller dans la presse parce que nous connaissons presse ça, c'est le quatrième jour. Il y a ces droits, ces devoirs, parce que vous pouvez faire et vous pouvez faire. Mais moi, je suis en personne parler avec le président. Je dis à le président qu'il y a une bonne volonté pour faire un pouvoir. Mais nous connaissons les gens qui y a, l'argent peut tout arriver à le président dit, nous gagoter, l'argent au pouvoir, c'est dans l'argent peut tout arriver à dire. Mais face à la situation, pour comment on peut pas y aller, l'argent qui y a allé, il y a le président qui vous met toujours volonté pour faire un pouvoir. Nous avons commencé les discussions avec le Sénégal, c'est l'argent en même temps. Comme l'argent de la Caribéenne, comme l'argent de la Caribéenne a fini, si le président a un autre fonds, l'a cherché, soit dans un pays ou dans un autre monde qui concerne, qui est habitué à payer à aide, il a pu chercher pour payer à aide. Mais premier l'argent qui n'a pas ici là, le président va aller comme si son argent est demandé. Non, venir là aujourd'hui, c'est juste pour nous faire l'état de voir nous. N'a pas de l'État, yon seul bagay, c'est soit li paye nous l'argent nous. Depuis 5 ans, yon prend papier terre nous gen moun mourin baka enterrel, si Claude Mathieu passe n baka faire rien, c'est soit l'État remettre nous papier terre nous li rentre décret là ou bien le paye. La centrale des ouvriers haïtiens a réalisé une conférence de presse en début de cette semaine en vue de dénoncer le comportement de l'État haïtien qu'elle juge anti-syndicat. Dominique Saint-Éloi, le porte-parole de cette structure, a fait savoir que les ouvriers vont continuer à se mobiliser jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Trois organisations qui ont lancé le mouvement La Cibot dans l'Aria pour 800 gouttes comme ça les minimums. À bas 35 gouttes, à bas 50 gouttes, donc il était lancé. Nous continuons à dénoncer pratiques anti-syndicat que patrons, avec complicité l'État haïtien, a fait dans le secteur textile, dans le pays en général. Nous dénonçons le comportement de la police qui a montré tout comportement virulent en façon pour intimider. Travailleurs, nous qui travaillons dans l'usine factory, prend la rue. Parce que hier, vous êtes capable de remarquer, DDO est présent directement dans son API avec la police. Tout calte coulé. Donc hier, nous avons un pile camion police qui croisait devant l'usine, devant le bâtiment pour empêcher ouvriers de mobiliser pour prendre la rue sorti. Donc nous, même trois organisations, nous dénoncer comportement gouvernement Moïse Jean-Charles là qui te lit message monsieur Apet Tebali devant Jovenel Moïse là qui te lit message que monsieur Apet te écrit Bali pour la lit dans palais national sous question pour violer droit travailleur gagner pour manifester pour demander 800 gouttes et c'est 50 gouttes qui est président Jovenel Moïse Bay. Donc nous-mêmes a dit comme ça que n'a veillé chez nous calé nous là nous ouais comportement gouvernement. Le Ougan Nera Ildéris a été installé comme le Gwetordé du département du Sud par lettre suprême du Vaudou Koma Joseph. Nera Ildéris est désormais le représentant de l'ATI national dans le département. Il se dit fier et heureux d'occuper cette prestigieuse fonction. Suivez la déclaration du Gwetordé Nera Ildéris. Femme du bien, c'est avec un gros qui est content. Et que je suis toujours à Sakouma, ça.
non mais l'ex suprême vaudois qui c'est Ati national international vaudois qui c'est Ati Joseph Kouma qui est comme des élus comme Ati parce que quoi c'est une élection il était passé comme Ati on compte en pile parce que les communautés vaudoises qui sont dans tout pays à venir garder parce que chaque département t'es grand représentant là qui devine comment les cérémonies sont faites. On compte en pile parce que son cérémonie qui est là pour faire, qui est un an de ville, qui est là pour faire, mais malgré et il y a un petit problème dans le département sud là, par exemple cyclone, des cyclones qui dépassés, des de l'eau et de la pluie qui t'a tombé dans le département, des causes que heureusement ça a, il n'y a pas de jambes qui arrivent fait, mais nous gommons en pile, nous faisons pile en pile fort. Côté que nous gagnons un grand serviteuria accompagné de Ati National là, accompagné de l'Empereur National Vaudois qui fait un pile gros travail pour te réaliser et gagner un événement ça. Et puis nous papes, oublier honorer ma Boulogne Vital, parce que si on nous a oué que et heureusement ça a l'une fait dans le département sud, la forme du bien bataille en pile pour le fait et dans la commune Campérenne, dans le cadre de décentralisation. Parce que ce n'est pas un cadeau que nous faisons à Boulogne Vital, c'est un honneur et mérite que le mérité pour le travail que nous faisons dans Vaudouin depuis 2000. À la rubrique invitée pour ce samedi 5 août 2017, nous allons recevoir l'être suprême du Vaudou en Haïti, Kouma Joseph. Il va nous expliquer le rôle du Gouetor D. Bon, là nous dit dans vos doigts, nous dit Gouetor, nous dit Gouetor D. Mon Gouetor D a, lui signifie détenteur de connaissances. Et étant Ati national vaudoïcien, nous besoin des Gouetor et des Gouetor D pour aider nous faire travail là. Un Gouetor D représenté dans un département. Parce que nous avons Gouetor et Gouetor D dans tous 10 départements qui existaient dans le pays. Gouetor D, c'est un personnage qui représentait physiquement Ati national là, qui c'est moi-même, qui est en tête en association qui est le KNVA, qui c'est Confédération Nationale Vaudoisant Haïtien. Là, moi, je dis Gouetor D, lycée détenteur de connaissances, c'est ça le signifie, et lycée représentant physique Atia, c'est comme si que lycée yeux Atia, lycée oreilles Atia, et dans des occasions, lycée bouche Atia tout, parce que le seul personnage qui est capable de parler n'a nom Ati national. Est-ce que tu as déjà un Gouetor dans le département sud ou bien c'est pour la première fois que tu as gagné dans le département? Nous avons gagné. Mais c'est parce que, comme je dis, chaque département, nous tient à ce qu'il y ait 3 Gouetor D et un nombre qui n'est pas calculé de Gouetor. Parce que Gouetor, lui-même, lui, au niveau communal plus, parce que dans toute commune, nous avons des Gouetor qui ont porté rapport, qui ont fait le travail, qui ont porté rapport à Gouetor D. Et Gouetor D a pour devoir, pour prendre tout le temps pour lui remettre. À grand serviteur qui est dans le KNVA, qui c'est Madame Evonie Georges Auguste, lui-même, comme grand serviteur, il a pour devoir pour transmettre moi rapport de tout ça que Gouetor fait par Gouetor D et que Gouetor D bali et que lui-même pour lui faire moins pour nous capables de faire travail vous deux en marche. On Gouetor D, qui s'allie, lui c'est un chef, et c'est le seul chef qui représente vos doigts dans le département côté lié à. Et que tout, c'est ça que nous venons dire, mon campéen, je dis. Hein. Si hier, il n'y a pas de gagné au monde qui peut être responsable, qui peut te servir et protéger, je dis à Yoyen. Parce que ce soit un problème pour vos dirigeants capables de rencontrer dans le département, il y a un problème avec Gouetor. Et Gouetor, ouais, avec Gouetor D, que ce soit un problème, quel est le problème de justice? Que ce problème de santé, que ce soit problème là, qu'on y a, il y a gagné des personnages qui pour représenter, parce que moi-même étant anti-national, moi c'est seul suprême serviteur, non, pour vos doigts, qui est capable de faire ce intermédiaire entre
haïtien vaudouisant, haïtien, que ce soit côté de sortir, que ce soit religion, nous, depuis les besoins de service, nous, nous prêts à lui-même, nous sommes le seul intermédiaire qui est capable d'interférer en communauté et l'État national ou international. Est-ce que vous avez dit que vous avez parlé, un temps pour le mandat fini ou bien vous avez là à l'infini? Ça, c'est à calculer, c'est à prévoir. Parce que il y a un niveau que vous avez arrivé dans la spiritualité ou pas le mandat encore. Parce que vous détenteur de connaissances, c'est un monde qui l'a pour le passé, connaissances que vous recevez. Et si nous limitons à autant limite, c'est-à-dire que c'est une série de bibliothèques qui peut endormir. Et tant aussi longtemps que Ougueton Kavino Ougueton-Dé, Ougueton-Dé Kavino-Ati, c'est-à-dire que ce travail, ces militances, ces pratiques qui va déterminer est-ce qu'il a quitté ou du moins est-ce que lui-même l'a quitté. Là, jusqu'à présent, chaque KNDA, pour que pas gagner la donne, que le grand temps limite pour le travail, parce que sans Ougueton, sans Ougueton-Dé, pas gagner Ati. Ce qui base nous choisir, Ougueton? Sur militation, connaissance et adhérence. Parce que les mots dit Confédération nationale vaudouiste haïtienne, c'est parce que c'est en pile association, en pile organisation vaudou qui mettait ensemble, qui fait KNDA. Cela veut dire que nous pas juste tranquille dans la rue comme ça nous prenons le monde. Faut pour nous gagner le monde, il faut que ce monde qui ait une militance dans vos droits, qui ait une pratique dans vos droits, c'est un monde qui fait travail vos droits dans le département côtelier, que tout le monde reconnaît comme un vaudouisant conséquent. Et Mounsa, nous-mêmes, il fait appel à nous-mêmes, et puis il organise une association, organisation vaudou, et c'est à partir de là que nous sommes capables de déterminer qui est le monde que nous mettons comme Gouetor, comme Gouetor. Voilà ce qui m'est fait à ce journal, mesdames et messieurs, le rappel des titres dans un instant. Le Festival de Gelée 2017 sera célébré du 12 au 19 août. L'annonce a été faite officiellement par le maire principal de la commune de Caille, Jean-Gabriel Fortuné. L'ATI national du secteur vaudou, comme à Joseph, dit voir en notre président haïtien un homme sincère. Le numéro 1 des vaudouisants applaudit l'initiative de la caravane de changement lancée par le président Jovenel Moïse. La base grand citoyen de Jovenel Moïse, dans une conférence tenue ce mardi, a exprimé ses contentements pour les efforts consentis par le président selon cette base. Clôture ce vendredi d'une séance de formation en faveur des professeurs de la commune de Quimperin, une initiative de la Fondation Digicel. La coordination départementale de la plateforme Réponse Paysan a réalisé une journée de formation en faveur de 69 coordonnateurs CASEC des sections communales du département du Sud. Le maire de la commune de Pointe-Piment, Daniel Jasmey, dans une conférence de presse réalisée ce mardi, dénonce les députés Clovis Robat et Daniel Létang qui se sont rendus au commissariat de Pointe-Piment pour exercer des pressions sur les juges et policiers pour réclamer l'annulation des mandats décernés contre des individus impliqués dans des actes de vandalisme, une information rejetée de revers de main par l'ex-maire de la commune de Pointe-Piment, Franz Marais. Ce jeudi, les habitants de la route de l'aéroport Antoine-Simon ont organisé un sit-in pour demander aux autorités concernées de les dédommager parce qu'ils ont été victimes de l'expropriation en ce qui concerne la construction de l'aéroport Antoine-Simon. Le Rougan Nera Ilderis a été installé comme le Grand-Cordé du département du Sud par l'être suprême du Vaudou, Coma Joseph.
Merci à vous qui avez suivi ce journal. Pour vous le présenter, Whitney Rosemé au micro et à la rédaction. Bon week-end et bonne semaine à tous.